Peace. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés du quartier maître de Call of Duty Infinite Warfare en mode multi et en mode zombie. Donc on va d'abord aller vérifier en mode zombie pour voir s'il y a une nouveauté. Donc caisse zombie, non, il n'y a pas de nouveauté en zombie. Par contre j'ai des clés donc je vais les prendre. Ça c'est cool, 60 clés, merci, j'ai rien d'autre à prendre. Non c'est bon. Alors on va aller en multi maintenant. En multi il y a une nouveauté qui vient de sortir. C'est le quartier maître. Dans le quartier maître, donc événement, offre limitée, donc achat restant 3, ça coûte 150 clés. Désolé, mes chiens ont aboyé comme des crevards, enfin bref. Donc ça coûte 150 clés et ça vous garantit un accessoire d'arme épique, un camouflage épique et une arme épique. Donc faut savoir que les armes épiques, je les ai toutes. S'il me garantit une arme épique, je vois pas qu'est-ce qu'il peut en donner. On verra bien. Telle est la surprise. Normalement, il va me donner un doublon, logiquement. Alors, les camouflages épiques, je les ai pas tous. Et les accessoires d'armes épiques, j'aime vraiment bien les accessoires. Bon, j'en ai beaucoup maintenant, je les utilise pas forcément tous. Mais peut-être qu'ils vont me donner un accessoire que j'ai pas, que je kiffe réellement. Donc voilà, ça peut toujours être utile. Donc, je vais acheter les trois parce que j'aime les accessoires. Les camouflages, il y a un nouveau camouflage, mais je vais vous le montrer. Je vais vous montrer notre nouveau camouflage, donc je vais aller dans zombie parce que je me connais beaucoup plus en zombie. Alors, équipement, kit d'armes, triangle, camouflage, quartier maître. Et il y a un nouveau, mais je sais pas en fait si on peut le voir en fait, comme il est bloqué. Voilà, il est tout en bas, c'est les crânes. Ok, on peut pas le voir, donc je pense que c'est crâne. Ah non, c'est celui-là, c'est crâne et caméléon. Je pense aussi que c'est un nouveau caméléon. Crâne et caméléon, c'est les deux nouveaux camouflages, donc je ne saurais pas vous les montrer parce que je ne les ai pas encore débloqués. Mais peut-être que je vais les débloquer avec de la chance dans les packs que je vais ouvrir maintenant. Donc j'en ai trois à ouvrir, hop, je les achète. Ok, c'est parti. Achat du ravitaillement en cours. Ok. Donc bacon, je m'en bats les couilles. Un petit cactus, c'est pas mal. Et une EBR 800 en MK2. Donc ce qui est bien, c'est que si jamais vous avez pas, si jamais vous avez toutes les armes épiques en normal, et ben vous toucherez des armes épiques en MK2, donc c'est vraiment pas mal. En plus 150 clés, c'est pas énorme, en sachant que une caisse de ravitaillement rare, ça coûte 30 clés, donc ça fait que vous pouvez en ouvrir 5. Si vous ouvrez 5 ravitaillements rares, vous n'êtes pas sûr d'avoir un camouflage épique, un accessoire épique et une arme épique, donc c'est vraiment pas mal. Moi je trouve que c'est assez rentable. Après ça vaut de voir. Donc moi je suis content pour le cactus là, accessoire, donc c'est cool. Et on continue. Achat du largage de ravitaillement. C'est parti. Donc accessoire castor MDR, c'est pas mal non plus. Onde lumineuse, ok. Donc là on n'a pas encore eu de nouveau camouflage. Donc un petit accessoire qui fait plaisir. Et on va voir c'est quoi le dernier. Donc il me donne un camouflage bacon que j'en ai rien à foutre. La hache de lancer que j'ai déjà. Et papas accessoire franchement que je vais jamais utiliser. Parce que je suis pas une gonzesse, c'est quoi ça? Tu crois quoi? Si je mets ça, ils vont tous me prendre pour une tarlousse sur YouTube, MDR. Et mes potes encore pire. Donc voilà, j'espère que ce petit pack opening actu news Call of Duty W vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si c'est pas déjà fait, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, les potos. Allez, ciao, peace. I'm me.